Monsieur le ministre, que nous avons dans l'émission Tremplin, mesdames et messieurs, c'est l'incontournable question. Dites-nous, Dadis, il sera candidat ou pas? Parce qu'en fait, vous l'avez dit, jusqu'à présent, la transition, elle était là comme un fleuve tranquille. Si tout le monde est sorti de ce gong à partir d'un coup de semence, c'est parce que, au travers les discours, peut-être, je dirais même pas des menaces, mais quelquefois les insinuations, on semble prêter, ma foi, peut-être quelques trucs au président de vouloir briguer la magistrature. Est-ce qu'il sera candidat ou il va s'en tenir à ses engagements? D'abord, commençons par les engagements, puisque le débat porte essentiellement sur les engagements personnels que le chef de l'État aurait eu à prendre au début de cette transition, notamment sur la question de sa candidature, ainsi que celle d'ailleurs de tous les membres du gouvernement et du CNDD. Le président de la République l'a dit, c'est un engagement personnel, à la limite qui a une valeur morale, qui ne peut pas avoir une opposition politique ni une valeur juridique. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, qui est un homme qui a un instinct politique très prononcé, a souvent dit qu'on ne peut pas mélanger l'ordre de la morale et l'ordre de la politique, sinon on fait de la mauvaise morale ou la mauvaise politique. Dans le cas de l'engagement personnel du chef d'État, sommes-nous dans l'ordre moral ou dans l'ordre politique? De par ses fonctions actuelles, est-il un homme politique ou un prêtre, ou un religieux, ou un homme tout court, tenu par des engagements d'ordre moral qui auraient tenu vis-à-vis de la société? Je pense qu'à ce niveau, il y a un débat qui doit être ouvert. Deuxième problème, s'agissant de la candidature du président, elle ne peut pas être discutée et débattue en dehors des lois qui nous gouvernent. Et en premier lieu, de la loi portant statut général des militaires en République de Guinée. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, puisque moi je ne suis pas militaire, que cette loi stipule que les militaires ont les mêmes droits civils que les autres citoyens. Cependant, s'ils ont envie d'exercer les autres droits, ça doit se faire dans le cadre de la loi et des textes. Mais la Constitution est suspendue. Non, j'en viens. Non, la Constitution est suspendue, mais je ne crois pas que la loi portant statut général des militaires de la République de Guinée soit suspendue. Absolument. Et de toute façon, on n'ira pas aux élections sans qu'il y ait un cadre juridique et légal qui va déterminer justement les conditions et les critères d'éligibilité. Donc, pour rester un peu dans l'esprit de la loi portant statut général des militaires en République de Guinée, il est dit que pour jouir de certains autres droits civiques et politiques notamment, une disponibilité est nécessaire et qu'il ne soit pas préjudiciable au corps militaire. Je pense que aujourd'hui, le débat devait porter sur quoi? Là aussi, c'est un point de vue et une conviction personnelle. Sur d'abord, au cas où, c'est une éventualité, une virtualité, au cas où le président voudrait être candidat, à quelles conditions il devrait et pourrait être candidat? Je pense que ce débat me paraît beaucoup plus juste, beaucoup plus sain que de se poser carrément contre cette éventuelle candidature, en lui déniant un droit naturel des citoyens, puisque dans le cadre de la démocratie que nous voulons construire, elle doit se fonder sur l'égalité de chance, de droit et de devoir entre tous les citoyens. Si j'ai bonne souvenance, pour rafraîchir votre mémoire, la conclusion du comité ad hoc ici, au cours de laquelle Mgr Albert Gomez avait fait le laïs, il avait demandé que pour aucune raison on n'exclut aucun Guinéen par rapport à ces élections. Absolument. Mais justement, parce qu'il y a les critères d'éligibilité qui vont arriver, qui vont toucher peut-être la limite d'âge, les considérations d'ordre juridique ou judiciaire. Alors, si le CNT retravaille dans tout ça, est-ce que ça veut dire pratiquement il y aura une nouvelle donne par rapport aux critères? Je voudrais d'abord dire que l'exclusion et la discrimination sont contraires et incompatibles avec la pratique, la culture et les valeurs démocratiques. Et d'ailleurs, le plus souvent, constituent des sources de frustration, donc de violence et de conflit. Vous savez très bien que le chaos est arrivé en Côte d'Ivoire parce que tout simplement, on a taillé des lois sur mesure pour exclure des candidats de la course à l'élection présidentielle, estimant que pour une raison ou pour une autre, ils devraient être disqualifiés. Moi, je pense qu'aussi bien pour la limitation de l'âge que pour les candidatures, que pour le nombre de mandats, nous devons être ouverts et respecter l'esprit et l'éthique démocratique en ne pratiquant aucune forme de restriction ni de discrimination. Cela va
aider le pays à se doter d'institutions fortes et de dirigeants légitimes. Laissez aux Guinéens la latitude de trancher. Je veux dire d'abord que on ne peut pas, comme je l'ai dit, débattre de cette question en dehors des lois et des textes qui nous gouvernent. C'est extrêmement important. Est-ce que du point de vue légal, est-ce que du point de vue de la citoyenneté, donc du droit du citoyen, le capitaine Dadis peut être candidat? S'il peut l'être, à quelles conditions? Voilà un débat qui me paraît beaucoup plus pertinent que de s'opposer systématiquement et aveuglément à sa candidature. L'autre problème qui est important en Afrique et qui devrait aussi constituer une source de préoccupation dans cette phase de transition et par rapport à la volonté de mettre en place des institutions fortes et des dirigeants légitimes, c'est de mettre en place un système électoral fiable pour que, quelle que soit la qualité, la personnalité, la position du candidat, qu'il n'ait aucune possibilité de peser sur le processus électoral, d'influencer les résultats. Un tel débat me paraît beaucoup plus intéressant que de mettre son veto pour la candidature d'un citoyen. Parce que c'est d'autant plus dangereux dans la phase actuelle que, vous savez, depuis quelque temps, il y a une espèce de suspicion qui existe entre le corps militaire et le corps civil. Une opposition à la candidature de Dadis est perçue non pas comme une opposition directe et personnelle à la seule personne du président Dadis, mais ça peut être interprété comme un acte de phobie à l'encontre même du corps militaire qui serait un corps entièrement à part, alors que dans le cadre de la construction de cette démocratie, nous avons besoin de tous les fils du pays, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit leur horizon professionnel, pour que dans le cadre du brassage et de l'intégration de toutes nos forces et de toutes nos intelligences, on puisse aller vers une société plus juste, plus démocratique. Voilà. Rien que ce sujet aurait pu, ma foi, constituer l'ossature de ce débat. Je pense que ce n'est que partie remise. Nous reviendrons de long en large avec d'autres personnes. Mais en tout cas, nous allons dire merci à Monsieur le Ministre.